Yo les copains, aujourd'hui on vient à Nara, donc on se trouve dans le Shinkansen. Shinkansen qui est vraiment très grand et super confortable. Et en plus il passe, je sais pas, 3-4 fois. En 4 fois sur 2 heures. Ouais, facile. Avec de la nourriture et à boire, donc c'est vraiment trop cool. Et il y a un fumeur. Et il y a un fumeur, si jamais vous fumez. Et les toilettes sont méga propres parce que vous avez des lingettes pour nettoyer la planche et ça c'est trop cool. Et donc voilà. Donc on va. On va profiter de ce merveilleux moment dans ce train et puis ensuite on va partir sur Nara et on va voir les petits sables. Voilà, donc on vient d'arriver à Kyoto et là on va prendre le train pour Nara, et donc c'est avec le JR Pass également, c'est-à-dire que nous ne payons rien entre guillemets pour aller de Tokyo à Nara une fois qu'on a le JR Pass. Donc c'est ça qui est cool dans la vie. Mignon. Yo, on vient du centre touristique de Nara et vous allez être vraiment contents si vous partez au Japon et vous comptez aller à Nara parce qu'ils ont des cartes en français. Donc ça veut dire que c'est trop bien. Enfin, même si ça change rien français ou anglais, mais ça fait plaisir de temps en temps de voir un petit peu de français. Mais il est trop mignon. Bonjour. Et ça, ah oui, ils ont fait des petits caca. Trop mignon. Oh, il est tout fatigué, il fait chaud, hein, monsieur. Eh, t'as vu son bois, il est tout torché. Oh, trop gentil. Oh. Moi aussi, je t'aime. T'as vu, c'est bon, on dirait des petits os. C'est beau. Je peux pas mourir. Un petit cucu. Temps là. Ah bah attends, j'ai une mire. Je veux les mêmes cils. Trop mamie. Oh, mais ils ont des petites bébêtes, c'est pour ça qu'ils se grattent. Il y a des petites araignées. T'aimes bien, Bambi? C'est une bambette. Elle a pas de bouboule. J'ai eu un coup. Enfin, ça va, c'est tout doux, hein. Ils vont pas m'agresser non plus. Attends, doucement. Oh, t'as fait tomber un morceau. Oui, c'est bien. Doucement, les gars, doucement. Chut. Attends, il y a du papier. Chut. Ah, je ne les intéresse plus, je n'ai plus à manger. Voyons voir comment Mehdi s'en sort. Putain, il a de la chance, il n'en a qu'un. Moi, j'en avais trois sur moi. Vas-y, il a mordu. Hey, il a mordu l'autre. Où le méchant? Hey, ils font trop flipper. Hein. Moi, j'ai donné à l'arrache. Hein. J'ai tout donné. Et j'ai tout donné d'un coup, ils m'ont fait trop peur. Et ils sont venus à 3-4 sur moi. T'en as plus? Bah si.
Bah c'est pour ça qu'il te suit, tant que t'en as, il va te suivre. J'ai pas, mais je veux un doudou. Je peux te toucher? Toucher? Toucher. Oh regarde lui, il est tout gentil. C'est un gentil mendiant. Bah oui, il te suit, il sait que t'en as. Donne-lui-en un dernier. Rire. Fais attention, non, fais pas ça. Si. C'est un signe que tu vas te battre. Non, ouais. Mais si, hein, ils font ça quand toi, ils vont se battre. Tu fais faire ça, il fait ça et après. Bah c'est normal, c'est parce que ça fait genre. Non. Putain, il va pas me casser les couilles, hein, monsieur. Bah. Il me suit jusqu'à Tokyo. Dans le train et tout, tu sais. T'as mon trophée flippé, t'as trop de la chance que t'en aies qu'un. Moi j'en ai eu mille et. T'en as eu deux. Non, j'en ai eu trois d'un coup. J'en ai eu deux, puis il y en a un troisième qui est arrivé, puis après il y en a un quatrième et j'avais plus rien donc. C'est notre nouveau copain. Donne-lui un prénom. Jean. Non. Oh, tu lui fais peur. Il va vraiment me suivre. Mais oui. Allez, donne-lui-en un. On veut un dernier, allez. C'est quoi, je vais t'appeler Bouli. Bouli. Bouli, Bouli. Voilà. Encore, s'il te plaît. Encore. Putain, il les aime bien, leurs biscuits. Voilà. Il t'a adopté. T'es son nouveau papa. S'il te plaît, papa. C'est ton fils. Qui pourrait peut-être être ton père. Tu te sens à l'aise? Je me sens un peu suivi quand même. Je mens. Toute mon t-shirt en essayant de me prendre à mon manche. Ah mais ils le font, hein, ils le font. C'est pour ça que j'ai pas mis ma jupe fragile, hein. J'avais trop peur qu'il me la bouffe. T'aimes bien, hein. T'aimes bien, hein, fille. Oh, oh, oh. Au final, tu lui auras donné tous tes biscuits. Ouais, il sait ça en fait. Ouais. Je suis sûr que ça comme ça, celui-là, il le sait. Bon. Il fait aller, s'il te plaît, je t'aime, je te fais des câlins. T'as vu? Ah si. Il va rien comprendre, c'est. Je peux te faire des gratouilles. C'est tout. Ouais, je peux lui faire des gratouilles, trop bien. C'est mon copain. Je t'aime beaucoup. Bouli. Tu vas me manquer, Bouli. Ouais, je vais être sympa avec toi, j'ai tout ce que t'as donné. On va se promener un peu avec. Ouais, moi j'ai peur des chicas. Ils mordent des t-shirts et ils donnent des petits coups. Mais c'est des coups gentils, mais ils me font peur quand même parce qu'ils sont grands. Mais moi, ça me fait peur. On va racheter des biscuits. Wouhou, racheter des biscuits. On va se taper peut-être celui qui est tout seul. Ouais. Tu m'en passeras? Réponse 0. Tu m'en passeras? Hein? Tu m'en passeras. Oui. Moi je vais prendre lui. Mais attends, alors faudra te donner l'un après l'autre. Bah en même temps. Non, parce que sinon ils vont se battre, tu vois, ils vont. Bah non, toi tu donnes à lui et moi je donne à lui. Ah ouais, d'accord, ouais, bah ouais. Bah tiens alors. Je suppose qu'on a 10. Ouais. Je vais le mettre en pantalon, super utile. Ah merde, ok, d'accord. Bon, il y en aura un qui aura un petit peu de papier. Hein. Ouais. Il a failli manger le papier tantôt en plus. Ouais, merci. On va l'appeler Poto. Bonjour Poto. Je vais venir. Tiens. Tiens. Trop mignon.
Il y a un dent qui va déternuer, j'étais trop mignon. Trop mignon. Ça a vraiment fait le sang. Ouais. Oui. Oui, madame. Oh, agression. Ah, c'est parti. Tu me donnes un bout. Tiens, donne un tout petit. Oh, j'ai pas. Attends. Je suis désolée, monsieur. Il est tout blessé. Ah non, c'est parce que ça pousse. Ah, ça leur fait des petits coups. Putain, il s'est fait mordre. Quoi? Vas-y, il a... l'autre, elle l'a mordu et tout. Genre, putain, c'est mon biscuit, il va te faire foutre. C'est mon distributeur à biscuits. Tuer une fourmi. C'est quand même génial là, pour une bouddhiste. Arrête, je suis trop triste. J'ai voulu sauter sur un rocher, elle est venue. J'ai marché dessus. Ouais, en fait, c'est de la faute à la fourmi. C'est vrai. C'est pas moi. Donc au final, bah, Bouddha, il lui dira rien. Et d'où tu sors que Bouddha, il va me dire quelque chose? L'heure du jugement dernier du Bouddha. L'heure du jugement dernier du Bodhisattva. Le truc n'existe même pas, tu sais. Non, ils font méga flipper. Enfin, tu vois, quand ils sont tout seuls, ça va, ils ne font pas flipper. Mais là, ils sont en bande. Avec mon visage. Voilà. Doudou. C'est bien mon couteau. Tu sais que tu peux le couper, hein, le biscuit. Je sais, mais moi j'ai peur qu'il me mange les doigts. Non, mais tracasse, franchement, vas-y, prends-en un. Coupe juste un petit bout, tu verras, il te fera absolument rien. Non, un petit bout, un tout plus petit bout que ça. Plus petit bout? Ouais, franchement, regarde. Oh, t'es mignon. C'est parce qu'ils sont pressés de manger, mais ils font pas mal. Oh, pardon, excuse-moi. Regarde. Franchement, regarde. Là. Et il vient jusqu'à mon pouce, mais il ne me touche absolument pas. Regarde. Yeah. Oh ouais. C'est parce qu'ils ont un grand nez. Mais oui, mais moi, je veux des doudous, vas-y. Ils me donnent pas des coups de boule, on me donne à manger. C'est vraiment des ingrats. Hein. Je vais goûter le biscuit pour serre. C'est dégueulasse, hein? Ça me fait penser au biscuit du frère de Manon. C'est le biscuit pour pas s'il veut rien manger. Hein. Ou un très vieux biscuit. Ça va. J'ai connu Pierre. Voilà, donc j'ai quasi plus de batterie, alors je vous dis déjà au revoir. Et sur ce, ben, je vous dis qu'en fait, Nara, c'est vraiment le truc indispensable à faire au Japon parce que ça. C'est vraiment. Magnifique. C'est vraiment magnifique et c'est vraiment hyper méga dépaysant. Déjà, rien que le paysage est dépaysant, mais en plus, le fait de pouvoir toucher des cervidés, chose qui n'arrive jamais. Dans nos petits pays, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et voilà, c'est vraiment magnifique, comme vous pouvez voir. Tout est beau ici. Et franchement, je le redis, mais avec le JR Pass, ça vous revient au final à que dalle si vous faites les allers-retours comme nous.
Et au final, ben, le temps que ça prend, ça revient au même que de faire Liège-Anvers, aller-retour. Donc l'aller-retour, ça prend quasi autant de temps et c'est pas pour Forever 21, quoi. C'est quand même pour quelque chose de fabuleux. Donc voilà. Je suis un petit peu limite un peu sous le choc, tellement c'est merveilleux. Et il y a un mariage qui se trame. Des petites photos de mariage ici. Oula. Voilà. C'est super beau. Donc en plus d'assister à un paysage magnifique, on assiste à un mariage comme ça. Hein. Mais il en a, t'as vu. Bon voilà, sur ce, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à la prochaine. Et je suis désolée de ne pas avoir sorti de vlog depuis un moment, mais disons que je suis légèrement fatiguée. Donc voilà. Je préfère dormir quand je suis fatiguée. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Hein.